de la JF, Association de jeunesse Françaisquoise, et là on fait partie du camp leadership, 3 jours à Gravelbourg avec des jeunes de... C'est le deuxième camp, c'est le jeune leader Françaisquoise junior, donc c'est les 7e, 8e et 9e années. Oui, donc deuxième camp parce qu'il y a un mois, il y avait les plus vieux qui étaient là pour un camp de leadership aussi. Mm-hmm. Et là, le deuxième camp, parle-nous un peu, Étienne, de ce qu'on apporte aux jeunes durant ces 3 journées. Bien, les intentions des deux camps, c'est un format qui a été apporté il y a 3 ans et c'est sur une rotation de 3 ans. Alors, le jeune qui commence en 7e année peut venir 3 fois au camp de leadership et y retrouver 3 choses différentes. On rafraîchit certaines notions, bien sûr, qui sont tellement importantes qu'on ne peut pas passer à côté, comme par exemple les étapes pour organiser un événement ou certaines stratégies de communication, résolution de problèmes dans des équipes de travail, tout ça. Pour les 7-8-9, on se concentre énormément sur leur implication qu'ils peuvent avoir dans l'école et aussi on met l'emphase sur la participation, vraiment dire... Comme jeune Françaisquois, tu peux participer à plein de choses et tu peux même créer, ça c'est le petit côté AGF, tu peux le créer toi-même. C'est par et pour les jeunes que ça se fait. Oui, et là, ben, on l'a vu un peu, la participation, avec ton introduction un peu, on veut que les jeunes participent, on veut que tout le monde ait son mot à dire. Mm-hmm. Est-ce que c'est vraiment le but justement de cet événement-là? Parce qu'il y avait 80 jeunes, j'imagine que c'est difficile peut-être d'avoir un mot pour tout le monde. Mm-hmm. Et là, on divise par groupe aussi dans les prochaines journées. Oui. Donc, nomme-moi un peu comment, par quelles activités un peu vous allez faire en sorte que ces jeunes-là puissent tous participer? Bien, on va créer un sentiment d'appartenance. Ce soir, une des activités clés, c'est qu'on va les séparer en groupe. Ils vont devoir, entre eux autres, se parler, puis créer un blason, créer un cri d'équipe, une chorégraphie d'équipe, un peu là, comme un cheer pour leur équipe. Et là, après ça, c'est avec ces jeunes-là, ces 20 jeunes-là, 25 jeunes-là, qui vont vivre les ateliers au courant des 3 prochains jours. Il va y avoir des retours en grand groupe comme ça. En effet, même à 80, d'ailleurs, on a accepté plus de jeunes que ce qu'on était donné comme limite, ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le camp s'est bien enraciné dans la culture au niveau des professeurs et au niveau du CEF. Puis on donne, puis on a des beaux résultats. Alors oui, là je me perds dans toutes les choses, mais définitivement, ce soir, c'est clé, on va les séparer en groupe. Sentiment d'appartenance. Puis après ça, en groupe de 20, ça fait des belles discussions. Puis on, après avoir vécu une activité, c'est comme un laboratoire où est-ce que là, ils vont faire un jeu où ils vont vivre quelque chose. Puis là, on a des questions types pour les faire réfléchir un peu, pour aller creuser un peu plus loin. Avec les 7-8-9, on se concentre moins sur la synthèse puis le futur, on se concentre vraiment sur le présent, sur ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu. Puis et là, je parlais un peu avec certains de tes partenaires. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées, plusieurs organismes qui sont impliqués aussi pour cet événement-là. Parle-nous un peu du principe des valeurs que vous allez amener dans les prochains jours aussi et de récompenses avec les jeunes. Bien, les valeurs, c'est que ce qu'on veut, on veut faire un lien entre leurs valeurs qui sont importantes pour eux autres, que ce soit la justice, la famille. Il n'y en a pas de bonnes et de mauvaises. Mais c'est de faire ce lien-là entre les valeurs et leur francophonie surtout, puis leur comment cette valeur-là peut passer à travers vivre en français, ou leur école, ou leur... D'ailleurs, on a un exercice très intéressant, je me rappelle plus du nom, mais c'est un principe où est-ce qu'ils vont devoir faire l'exercice de... Ils vont voir certains mots passer, certaines activités comme les devoirs, les amis. Ils vont devoir décider eux-mêmes c'est quoi l'espace qu'ils donnent à ces éléments-là en français dans leur vie. Fait que, t'sais, c'est des petites réflexions comme ça qui vont leur permettre de vivre quelque chose, t'sais, comme de les brasser un peu, pas juste d'être, t'sais, comme mes parents me forcent à venir à l'école, t'sais, d'aller plus loin que ça. Puis en tout cas, déjà avec l'énergie que j'ai eue du groupe, puis bien sûr des visages que j'ai vus, je pense qu'on va avoir 3 jours vraiment intéressant. Oui, et puis là, ben, on parle des partenariats avec CCS, le Conseil culturel Françaisquois. On parle de vous comme association aussi. Est-ce que c'est justement une façon d'avoir une plus grande visibilité puis d'avoir un meilleur groupe, plus enraciné justement dans la francophonie pour faire en sorte que ces jeunes-là, plus tard, participent aux futures activités? Oui, bien, c'est sûr et certain que le CEF a une mission. C'est les 3 axes du CEF, c'est-à-dire l'école, la famille, la communauté. Et le...
le camp leadership s'inscrit énormément dans les deux axes qui sont l'école et la communauté. Alors, on veut définitivement que les jeunes prennent conscience de ça, s'approprient leur école, que ce soit en participant au truc que l'école fait ou en devenant eux-mêmes des créateurs de contenu. Ça, c'est peut-être pour les plus vieux. Puis après ça, de dire, ben, d'aller plus loin justement à travers les partenariats. Puis oui, il y a de l'information qui se passe, d'aller vers le réseau. Puis c'est vraiment, en tout cas, le partenariat que l'AJF fait là-dedans, c'est que nous, on amène notre expertise en leadership et en action citoyenne. Puis aussi, tu sais, notre Sean Jobin. Puis on amène ce talent-là sur la table pour que... pour un peu amener aussi le sortir du cadre juste pédagogique. C'est pédagogique, mais c'est aussi fun. C'est aussi c'est plaisant. Puis de montrer, tu sais, ben oui, t'apprends, tu peux apprendre, mais avec énormément de plaisir, de moments plus intenses que, tu sais, être assis dans une classe. Je ne sais pas que l'école le fait pas une fois de temps en temps, mais là, c'est beaucoup plus intense. Tu sais, on est tout le temps, on est beaucoup dans les émotions, on est beaucoup dans le plaisir, dans le... comme des surprises un peu, puis c'est intéressant. Ben, je pense que ça fonctionne bien quand même, parce qu'on voit des visages qui étaient là il y a un mois, qui maintenant participent en tant que partenaire pour vous aider à réaliser des activités. Oui. Donc ça, c'est quand même une belle réussite, je pense, oui. Dans le camp leadership. Oui, c'est nous, à l'AGF même, on veut aller, on est en train de se faire les dents avec ce projet-là. C'est sûr et certain qu'on aimerait aller encore plus loin, où est-ce qu'on aimerait développer... dans les 5 prochaines années, 10 prochaines années, vraiment un réseau de jeunes animateurs qui vont pouvoir être des ressources humaines aux quatre coins de la province, là, puis vraiment créer une espèce d'engouement, puis d'aider le réseau communautaire à travers les jeunes, parce que souvent, les jeunes sont capables, mais ne sont pas nécessairement outillés. Puis c'est pas... on s'en va vers ça tranquillement, pas vite. Nous autres, c'est pas un scoop là, que je te donne, là, mais c'est définitivement... Le camp leadership et son succès nous démontrent que la prochaine étape, c'est ça. C'est sûr et certain. Avec les jeunes puis les jeunes adultes. C'est sûr. Bien, merci beaucoup, Thierry Gabin. Il n'y a pas de quoi, ça en espérant plaisir. Que les 3 journées se passent bien.